Bonsoir à tous. En image, le chef de l'État sur le site directionnel de Koloma, Alpha Condé, a officiellement lancé les travaux de construction des bâtiments administratifs. Pourquoi? Les détails dans un instant. C'est fait. Le Premier ministre présente les orientations de son gouvernement aux parlementaires. Priorité à l'unité nationale et à la restauration de l'équilibre macroéconomique dans un contexte socio-économique difficile. Et puis nous irons aux États-Unis d'Amérique. La ministre de l'Environnement obtient le jumelage des villes de Philadelphie et de Conakry. Pour assainir notre capitale, nous serons avec Fatoumata Samoura, notre correspondante à New York. Bonsoir à tous, vous êtes sur la télévision nationale. À la une ce soir, lancement officiel des travaux de construction des bâtiments administratifs sur le site directionnel de Koloma. Les travaux vont durer 30 mois et c'est le chef de l'État qui a officiellement lancé l'exécution de ce chantier. Sanassi Keïta. Le site directionnel de Koloma, avec une superficie totale de 267,5 hectares. C'est une zone abandonnée à elle-même depuis qu'elle a été déguerpie en 1998. Avec l'avènement de cette troisième république sous la bannière du président Alpha Condé, l'heure est à la viabilisation de cet immense espace par le groupement 3GB, une coalition de trois entreprises locales guinéennes spécialisées dans les bâtiments et travaux publics. Il s'agit de Guiter SA, Guico Press et Bejec BTP. Et c'est dans cette dynamique justement que le chef de l'État a rehaussé de sa présence cette cérémonie pour lancer officiellement les travaux de construction des infrastructures administratives du pays. L'honneur me revient au nom des habitants de notre quartier de vous réaffirmer notre ferme volonté de soutenir votre projet de société, car vous êtes l'un des pionniers de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma se réjouit de ce grand projet qui va à coup sûr générer des milliers d'emplois pour les jeunes du pays, surtout ceux de Koloma et de Ratoma. Ce site qui nous accueille pour la pose de la première pierre du centre directionnel de Koloma donne la chance à Koloma et à tous ses environs d'être dans un futur proche une mégapole. Ministères, ambassades, institutions nationales et internationales se côtoieront pour le rayonnement de la Guinée. Monsieur le Président, vous trouverez en la délégation spéciale de Ratoma des femmes et des hommes prêts à travailler pour le devenir heureux et harmonieux de la commune. Le porte-parole du groupement 3GB mesure parfaitement l'immensité de cette confiance que le président de la République a bien voulu placer en leurs entreprises locales pour viabiliser ce site directionnel de Koloma. Monsieur le président de la République, je veux saluer la confiance que vous nous accordez et votre leadership qui a permis de nouer le partenariat gagnant-gagnant avec la société turque Souma pour la réalisation de ce gigantesque projet. Sa venue est un facteur de célérité pour l'atteinte des objectifs assignés au groupement 3GB. L'objectif pour l'aménagement de cet espace est bien clair. Le site qui nous abrite aujourd'hui comprendra six zones qui sont une zone politico-administrative, une zone socio-culturelle, une zone commerciale et d'habitation, une zone de service, une zone pour les sièges de missions diplomatiques et une zone espace vert. Pour le président de la République, Kapororai est une plaie non refermée encore. Kapororai est une plaie ouverte qui n'est pas encore refermée. Il est du pouvoir du gouvernement de déguerpir des citoyens, mais cela se fait dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des personnes et de leurs biens. En cas de nécessité de services et d'utilité publique, on peut déguerpir des citoyens, mais pas de façon sauvage comme cela a été fait à Kapororai. Je sais qu'à cette époque, on a même traité les populations de Kapororai, de bandits, de gangsters, etc. Or, c'était des citoyens respectables. Donc, le moment est venu de fermer cette plaie ouverte afin de réconcilier les populations de Kapororai avec l'État.
pouvons pas laisser la ville de Conakry telle qu'elle est. Ce n'est pas une ville. Donc il est extrêmement important que Conakry change. Mais Conakry ne peut pas changer sans qu'il y ait des conséquences. Pour que Conakry change, il faut qu'on casse et qu'on reconstruise. Il n'y a pas de progrès sans destruction et reconstruction. C'est ça que les autres pays ont fait. Ils ont permis d'avancer. Il faut que nous aussi, nous acceptions cela. Mais dans le respect des droits des citoyens, dans le respect de leur dignité et en les indemnisant correctement. Donc, nous voulons dire à Kaporo Rai que toute la Guinée a été peinée de ce qui s'est passé ici. Mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Ensemble, nous devons fermer cette plaie et faire en sorte que les gens de Kaporo Rai qui ont été dégriffés soient rétablis dans leurs droits. Ça veut dire qu'ils soient correctement indemnisés. Parce qu'il faut que cet endroit puisse désormais servir de centre administratif et diplomatique. Donc, je dois présenter des excuses aux citoyens de Kaporo Rai parce qu'ils ont été injustement agressés. Même si l'État avait le droit de les déguerpiller, il fallait respecter leur dignité et leurs droits. Nous allons faire en sorte que cette dignité et ces droits soient respectés. Mais nous continuerons à déguerpiller, que ce soit à Kaporo Rai ou autre part, parce qu'il faut que Conakry change. Le groupement 3GB a scellé un partenariat avec la société turque Suna, troisième au niveau mondial, dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Et le délai d'exécution des travaux est de 30 mois. Une délégation japonaise était ce mercredi chez le chef de l'État pour manifester sa volonté au président de la République dans son programme de renforcement du système de santé de notre pays. Les explications avec Sanasi Keita. Bonjour, monsieur le président, comment allez-vous? Ça va? Le président de la République reçoit en audience une délégation japonaise. Elle est composée de spécialistes en matière de santé, sécurité, banque, transport et d'éducation. Les entretiens portent surtout sur le renforcement du système de santé guinéen, fortement fragilisé par la maladie à virus Ebola. Le président de la République, Professeur Alpha Condé, a rassuré les membres de cette délégation du pays du soleil levant de sa totale disponibilité à œuvrer en faveur du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et japonais. Une occasion mise à profit par le sénateur Hideyisa Otsuji, ancien ministre de la Santé, de souligner. Vous voyez, pendant la période de Ebola, on a connu une très grande difficulté. C'est à raison de ça que nous sommes venus. Mais tout d'abord, M. le Président, Professeur Condé, il a mis tout l'accent sur la relance économique. Et avant Ebola, la relance a connu un essor spectaculaire. Mais tandis que grâce à raison de Ebola, on a connu une difficulté économique. Donc, nous sommes venus ici. D'abord, on a mis l'accent sur l'amélioration du système de santé. La ministre des Affaires étrangères est tout simplement ravie de cette volonté affichée par les autorités japonaises pour renforcer le système de santé du pays. Le Japon vient gracieusement à la Guinée pour dire que le système de santé guinéen a besoin d'être revu, et c'est la vérité, et qu'ils nous apportent tout leur soutien pour le faire. Leur soutien pour le renforcement de capacités, et le président a dit qu'en la matière, un échange fructueux est attendu, que des médecins japonais viennent en Guinée, et des médecins guinéens partent au Japon pour se former. Mieux que ça, le système de santé doit être revu en ce qui concerne le renforcement de capacités de diagnostic de nos centres de santé et les équipements aussi pour que nous cessions de dépenser tant pour évacuer nos malades. Après une série de visites dans certaines structures sanitaires du pays, cette mission japonaise va rencontrer dans les heures qui suivent le ministre guinéen en charge de la santé, pour davantage passer au crible tous les problèmes liés au système de santé, afin de les corriger progressivement.
Restons au palais Sékou Touré. Le président Alpha Condé a échangé avec la mission du FMI au menu des discussions. L'évolution du programme de la Guinée au niveau de l'institution monétaire. Compte rendu, Ibrahima Keïta. En séjour de travail en Guinée, M. Nguéto Yambaye, administrateur et représentant de la Guinée au Fonds monétaire international, a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Au cours de cet entretien, M. Yambaye a fait le compte-rendu des performances que la Guinée enregistre au niveau du Fonds monétaire international. Il s'agissait donc de faire l'état des lieux des relations que la Guinée entretient avec le FMI. Profitant de l'occasion, le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir remercié le représentant de la Guinée au sein du Fonds monétaire international, a donné de nouvelles orientations à M. Yambaye. Et pour cet administrateur du Fonds monétaire international, ce fut un plaisir de partager ce moment précieux avec le chef de l'État. Il faut noter que les relations entre la République de Guinée et le Fonds monétaire sont au bon point parce que malgré les difficultés sous Ebola, la République de Guinée a fait un grand pont en matière de performance et de résilience aux chocs exogènes. Et le président de la République, qui a une vision très claire du développement accéléré de la Guinée, m'a donné des orientations dans ce sens afin de mieux porter la voix de la Guinée au Fonds monétaire international. Cette visite s'inscrit donc dans le cadre des consultations régulières entre la Guinée et le FMI afin de conclure positivement le programme engagé avec cette institution financière internationale. Il s'agit de visites, je dirais, régulières qui se déroulent pour venir justement attester de l'état des relations que nous avons avec le Fonds monétaire international. Avec M. Yambaye, nous avons assisté à un certain nombre de réunions, comme vous le savez, puisque nous accueillons également une mission au titre des consultations de l'article 4. Et M. Yambaye a pu attester, je dirais, de la qualité des relations avec le fonds et également, je dirais, des progrès qui ont été accomplis depuis l'année dernière et que nous continuons à réaliser pour, nous l'espérons bien, conclure positivement le programme. Malgré le choc de la crise Ebola, la Guinée est sur le chemin de relever le défi conclu avec le Fonds monétaire international. Actualité nationale, on vous l'annonçait dans nos précédentes éditions et c'est fait. 4 mois après sa nomination, le Premier ministre a présenté ce mercredi aux parlementaires la politique générale de son gouvernement. De quoi s'agit-il? Quelles en sont les grandes orientations? Les explications avec Ablaye Diallo. C'est un discours de 34 pages que Mamadi Youla a prononcé devant les élus du peuple. Un exercice qui consiste à présenter la politique et les grandes orientations de son gouvernement. L'objectif qu'il s'est fixé est de créer un environnement favorable permettant de restaurer l'équilibre macroéconomique largement affecté ces dernières années. Dans cette quête de redynamisation économique, le président de la République a fait le choix de mettre en place un gouvernement qui se distingue par la nomination de technocrates d'une nouvelle génération. Issus pour la majorité des secteurs privés et publics internationaux, ils constituent un gage de bonne gouvernance renforcée et d'accélération de la transformation économique et sociale de notre pays. Je dois ajouter que cette génération, bien sûr, travaille avec des gens beaucoup plus expérimentés, et c'est ce mélange qui certainement produira les résultats que nous escomptons. Issu moi-même du secteur privé, pour avoir dirigé jusqu'à ma nomination au poste de Premier ministre, l'un des importants projets dans la filière bauxite-alumine en Guinée, nous devons y voir une preuve éloquente de cette volonté politique affirmée du chef de l'État d'ouvrir une nouvelle page de notre développement économique. Pour atteindre l'objectif visé, le chef du gouvernement a réitéré devant les parlementaires son engagement à poursuivre le combat pour le développement socio-économique de la Guinée. Mais je reste convaincu que l'ensemble des acteurs politiques sauront contribuer, plus que dans le passé, à maintenir un climat apaisé, favorable au dialogue, en vue de réussir cette étape cruciale dans le processus de renforcement de l'unité des Guinéens de tous bords. Il s'agit là d'un chantier incontournable que nous devons réussir tous ensemble.
En tout état de cause, nous devons nous tourner résolument vers l'avenir, en laissant éclore toutes les énergies créatrices de notre peuple, riche dans sa diversité. Ce programme de gouvernement a la légitime ambition de répondre aux attentes pressantes des générations actuelles, tout en créant les conditions d'épanouissement des générations futures. Il revendique ainsi des politiques qui s'inscrivent dans la durabilité et de l'irréversibilité. La Guinée a tout le potentiel nécessaire et le défi réside dans sa capacité à s'approprier les exigences de la transformation socio-économique et de consentir les nécessaires efforts pour le changement. Les députés des deux camps ont salué la clarté du discours de Mamadi Youla. Tout de même, les parlementaires n'ont pas manqué de souligner leurs critiques et suggestions pour l'intérêt supérieur de leur mandant. À Conakry, des acteurs de la société civile sont en campagne de vulgarisation de l'article 36 de la Constitution. Ils portent sur la publication des biens commis de l'État. Pourquoi faire une large diffusion de cet article? Élément de réponse dans ce reportage de Alia Camara. 6 janvier 2016, le président Alpha Condé procède à la déclaration sur l'honneur de ses biens. Une grande première. La démarche est applaudie par la communauté internationale et fait l'objet d'un communiqué officiel. Le chef de l'État instruit ensuite ses ministres et autres personnalités publiques à faire pareil pour la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit d'une contrainte juridique pour qui veut respecter l'article 36 de la Constitution guinéenne. Cet atelier de 2 jours aborde la démarche à suivre. La copie est déposée au niveau de la Cour constitutionnelle qui, à son tour, va transmettre au niveau de la Cour des comptes qui, pour le cas des ministres, va faire une signature de 3 exemplaires et ces 3 exemplaires, il va donner une copie au ministre qui a fait le dépôt, une copie au président de la République lui-même, mais aussi une copie qu'elle va garder en tant que telle. Nous pensons que c'est nécessaire que l'article 36 de la bonne condition soit interprété, mieux compris par tous les acteurs sociaux de la vie politique, afin que nous puissions faire de cette disposition le sacerdoce même de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en Guinée. À ce jour, la Cour constitutionnelle a pris acte de la déclaration des biens de tous les ministres de la République. Des publications ont même été faites dans le journal officiel pour freiner toute velléité de course à l'enrichissement illicite. De nouvelles dispositions juridiques sont également annoncées. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. C'est comment aller plus loin dans la protection de la chose publique. Le chef de l'État nous a clairement annoncé qu'au-delà des membres du gouvernement, il fallait mettre en place un mécanisme qui permette de contrôler que l'entourage des membres du gouvernement ou des responsables ne contourne pas la loi en permettant à leur épouse, à leurs enfants, à leurs amis de s'accaparer les biens de l'État. Nous soutenons tous la Guinée en cherchant à vraiment bien enraciner, établir un état de droit. De nouvelles propositions législatives sont attendues à la fin de ces travaux. Elles seront soumises à l'Assemblée nationale pour examen. La société civile guinéenne, à travers le balai citoyen, veut prendre une part active à la vulgarisation des textes légaux. Comment lutter contre la stigmatisation des personnes guéries d'Ebola, des veufs ou encore des orphelins? Le ministère de la Communication et le projet d'appui à la gouvernance démocratique impliquent les journalistes dans la campagne. Une rencontre sur la question se tient à Kindia. Reportage de notre envoyé spécial dans la cité des agrumes, Moussa Komara. Ces 30 journalistes des médias publics et privés se familiarisent avec les techniques de communication et de sensibilisation. Il s'agit de les amener à être des acteurs dans la lutte contre la stigmatisation des personnes guéries, veuves et orphelins d'Ebola. Nous avons constaté que le virus Ebola, qui a pratiquement sémé du désordre à tout point de vue dans notre pays, c'est-à-dire physique, moral, économique, financier, ces personnes sont rejetées. Et nous nous sommes dit que ces personnes ne présentent pas de danger au sein de la population. Il faut leur faire comprendre. Comment les faire comprendre? Par qui les faire comprendre? Nous avons choisi, justement, les voies les plus indiquées, c'est-à-dire les médias. Si les victimes de l'épidémie à virus Ebola font l'objet de rejets par la société, les initiateurs comptent sur les professionnels des médias pour mettre fin à la stigmatisation. Pendant 3 jours, les exposés vont porter sur la connaissance de l'épidémie, les genres journalistiques, l'éthique et la déontologie des médias.
Cette approche communicationnelle bénéficie du soutien des autorités. Je pense que c'est une excellente chose parce que tout passe pour les journalistes et pour avoir les médias, pour avoir la population, pour la sensibiliser et la faire comprendre ce qu'elle ne savait pas. Mais pour moi, l'atelier doit permettre aux gens de maîtriser les techniques qu'il faut pour que les populations soient suffisamment bien informées et que la communication se fasse de façon plus équitable, beaucoup plus efficace, pour que vraiment on mette fin à la stigmatisation. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette formation offre un parfum d'espoir. Les organisateurs ambitionnent d'intensifier les efforts afin de mettre un terme au rejet des victimes d'Ebola à travers tout le pays. Le monde célèbre demain, jeudi, la journée internationale de la sage-femme. Les réflexions portent cette année sur les femmes et les nouveau-nés au cœur de la pratique sage-femme. L'objectif est de valoriser ce métier qui fait du chemin en Guinée, comme le témoigne ce message du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, commenté par Rose Pocho. La journée internationale de la sage-femme est mise à profit cette année pour saluer les efforts et mérites de cette couche socio-professionnelle dans la préservation de la vie. Parfois, elle évolue dans les circonstances difficiles. Malgré les efforts consentis pour valoriser leur profession, le taux de mortalité maternelle et néonatale est élevé suite à la faiblesse dans l'assistance des accouchements. Au cours des 25 dernières années, le monde a presque diminué de moitié le nombre des décès maternels. Mais jusqu'à présent, environ 300 000 femmes meurent encore chaque année durant la grossesse et l'accouchement, et près de 3 millions de bébés ne dépassent pas leurs 4 premières années d'existence. Si elles étaient déployées en plus grand nombre, les sages-femmes qualifiées pourraient prévenir environ les deux tiers de ces décès. Il est donc capital de faire des investissements considérables dans l'obstétrique si l'on veut que les pays atteignent les objectifs ambitieux de réduire la mortalité maternelle et néonatale. En Guinée, chaque jour, 11 femmes au moins meurent suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Le taux de mortalité maternelle est estimé à 724 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et le taux de mortalité néonatale est de 34 pour 1000. Ces taux très élevés de mortalité maternelle et néonatale sont dus, entre autres, au faible taux d'accouchement assisté qui est de 49%, au faible taux de prévalence contraceptive qui est de 6% et au nombre insuffisant de sages-femmes déployées dans les structures de santé périphériques, surtout en zone rurale guinéenne. Face à cette difficulté, le Fonds des Nations Unies pour la population lance un appel aux autorités sanitaires du pays. En cette journée internationale de la sage-femme, nous lançons un appel pressant aux autorités sanitaires du pays pour leur demander de féliciter chaleureusement et de récompenser les sages-femmes qui travaillent dans les zones difficiles et presque inaccessibles, là où leurs services sont plus que jamais nécessaires. L'UNFPA exhorte aussi les autorités guinéennes à investir dans une formation de qualité. L'objectif est de parvenir à une politique qui inclut des sages-femmes dans le cercle des accouchements réussis. Je vous l'annonçais en titre, aux États-Unis d'Amérique, la ministre de l'Environnement vient d'obtenir le jumelage des villes de Philadelphie et de Conakry. L'objectif est de profiter de l'expérience américaine en matière d'assainissement. Les détails dans ce reportage de Fatmata Samoura, notre correspondante à New York. Cérémonie sobre mais très solennelle. Elle est en l'honneur de la ministre de l'Environnement. L'événement rassemble Africains et Américains autour d'une table.
L'occasion pour les autorités municipales d'élever Adja Christine Sagno au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Philadelphie. Touchée par cette distinction, la ministre a dit toute sa reconnaissance à la municipalité. Elle a aussi souhaité un jumelage entre les villes de Conakry et de Philadelphie. J'ai été très honoré, ou le gouvernement a été très honoré, et je pense que cet honneur, je le dois au président de la République, le professeur Alpha Condé, et en même temps au peuple de Guinée. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple de Guinée, c'est pour le bien-être de la Guinée. Je dois revenir soit avec le ministre de l'administration du territoire ou le gouverneur de la ville pour signer le document sur le jumelage entre Philadelphie et Conakry. En réponse à la requête de la partie guinéenne, les autorités de la ville donnent un avis favorable. Elle pense revoir la ministre dans un bref délai, cette fois pour la signature de l'acte qui matérialisera à jamais le jumelage entre Conakry et Philadelphie. Nous sommes très heureuses de pouvoir réaliser le jumelage entre les villes de Conakry et de Philadelphie. Nous pourrions échanger des programmes relatif à l'éducation, aux droits des femmes et des enfants. Nous sommes frères et sœurs, c'est tout à fait normal que nous collaborions dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique et de la Guinée. Pleine de découvertes, cette visite est l'entame d'un partenariat entre Conakry et Philadelphie. Ce partenariat pourrait s'opérer notamment dans les domaines de l'environnement, de l'éducation et de la culture. Et puis à Lambagny, c'est en banlieue de Conakry, en image tout de suite, une opération d'assainissement du quartier. Plusieurs artères et lieux publics ont été débarrassés d'ordures pour rendre la cité propre. L'initiative est des étudiants de l'Université Générale Lansana Conté, Bernard Tonguino et Jean Dounamo. Université Générale Lansana Conté de Lambagny. Ce matin, pas de cours dans l'enceinte de l'université. Étudiants et encadreurs se déploient sur le terrain pour une opération d'assainissement. L'activité vient répondre à l'appel du président de la République pour faire de Conakry une capitale propre. On a vu le chef de l'État lui-même, le président professeur Alpha Condé, donner les coups de balai. Donc il était tout à fait normal que nous, en tant qu'institution de formation, que nous suivons les pas du professeur et de son gouvernement. C'est pourquoi nous avons organisé ce ramassage des ordures ménagères. Plusieurs rues, carrefours et ronds-points du quartier Lambagny par des étudiants. Des étudiants qui souhaitent donner un exemple aux autres universités pour la propriété de leur environnement. Nous voudrons que toutes les universités de Conakry fassent comme nous. Toutes les personnes vivant à Conakry et hors de Conakry fassent comme nous. De nettoyer chez eux et la devanture de leur maison pour que cette ville soit propre. L'Université Générale Lansana Conté de Lambagny entend poursuivre cette activité d'assainissement à travers tout le quartier. Une manière pour cette institution d'enseignement supérieur de participer à l'hygiène de la capitale. On termine avec cette brève en image. En République démocratique du Congo, la foule a rendu un dernier hommage au roi de la rumba. Papa Wemba a regagné sa dernière demeure ce mercredi après des prières à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une foule immense est massée le long du boulevard Lumumba pour rendre à leur roi l'honneur de la rue et de la capitale congolaise. Je rappelle que Papa Wemba est mort à l'âge de 66 ans lors du festival Fémoa de Côte d'Ivoire. Le roi de la rumba a succombé à un malaise survenu lorsqu'il était sur scène le 24 avril 2016. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Palais, à Koya, à Dakar et partout au Sénégal. Bonsoir.